En 2001, je suis allé dans un congrès en Angleterre, à Brighton, sur la propulsion avancée. J'avais déjà parlé de ça en avant-première à Sciences Frontières l'année dernière, mais là, peut-être, je peux vous donner des détails beaucoup plus précis, beaucoup plus importants. Le fait est que, à ce colloque, des gens ont parlé, ils m'ont dit des choses assez étonnantes, concernant à la fois les armes, puis concernant aussi à la fois les ovnis. Alors, le premier sujet de conversation, le premier thème que je vais aborder, ça concerne cette maquette qui se trouve devant moi. Et disons qu'au départ, ça remonte à 1990. Il y a un astronome qui était un de mes amis, qui est décédé maintenant, qui est Pierre Guérin, à qui je rends hommage au passage, et qui a été un des premiers scientifiques français à s'occuper du sujet OVNI. En 90, Guérin me téléphone en me disant il y a des témoins qui ont pris des photos, un ou des témoins dans le ciel. Alors vous savez que quand vous regardez le ciel et que vous voyez un avion de ligne qui traverse le ciel, il y en a quand même pour une bonne dizaine de minutes. Hein, ça se fait pas immédiatement. Et là, le témoin regardait l'objet et ça a traversé le ciel à une vitesse assez importante. Qui plus est, la traînée de condensation ou le sillage était en pointillé. Donc tout le monde se posait cette question parce que les évaluations en vitesse de ce truc-là donnaient quelque chose comme une dizaine de milliers de kilomètres heure. Guérin a toujours eu beaucoup de contacts avec des tas de gens dans des tas de pays, comme font souvent les ufologues qui travaillent là-dessus depuis longtemps. Et l'endroit en question, c'est situé aux environs de Groom Lake, au Nevada. Vous avez entendu parler de ces choses-là, l'Air 51, la base Edwards. Il y a toute une espèce de terrain qui est grand comme la Suisse, aux États-Unis, qui échappe à la juridiction américaine et qui est géré entièrement par la CIA, par les services secrets, par l'armée. Je ne sais même pas si le président des États-Unis sait exactement ce qui se passe là-dedans. C'est un véritable état dans l'état. Donc c'est en provenance de ce genre d'endroit que venait cet objet. Et ça n'est qu'en réfléchissant après ce colloque de Brighton, ou pendant le colloque, que j'ai compris pourquoi la traînée était en pointillé. En particulier, les gens avaient pensé à l'époque à une propulsion pulsée, avec une sorte de statoréacteur pulsé qui marchait comme ça. Et puis, Guérin me disait, on parle de MHD. MHD, alors pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, magnéto-hydrodynamique, l'art et la manière de fabriquer du courant électrique à très forte puissance avec un fluide en mouvement, dont on transforme l'énergie cinétique directement en électricité, et inversement, l'art et la manière de transformer de l'électricité, de l'utiliser pour accélérer un fluide, pour le ralentir, enfin on peut tout faire avec ça. Donc, parler de MHD, moi j'en ai fait, il y avait tout à l'heure quelqu'un qui me demandait quel était mon curriculum vitae, bon, pendant que je précise un petit peu, je suis sorti de l'école supérieure d'aéronautique en 61. Après, j'ai été graveur sur cuivre et plongeur sous-marin, mais enfin, c'était un petit passage. Et je suis rentré en 63-64 à la Société d'études de la propulsion par réaction. Là, j'étais ingénieur d'essais de fusées à poudre. Et puis, comme ça ne m'amusait pas du tout de travailler sur les missiles de sous-marins nucléaires, je me suis retrouvé au CNRS à fabriquer des générateurs MHD impulsionnels. Et à l'époque, on avait des espèces de canons qui fabriquaient l'électricité. Et je montrais ça tout à l'heure à un journaliste italien. La cellule qui fabriquait l'électricité était vraiment grosse comme ce verre, grosse comme une canette de bière. Et ça sortait 4 mégawatts pendant 200 millionièmes de seconde. Bon, je crois que les petits chercheurs au CNRS que nous étions, on ne savait pas très bien ce qu'on faisait à l'époque. Mais en fait, on était en train, sans le savoir, alors que d'autres le faisaient, elles savaient très bien, de développer les générateurs électriques de la guerre des étoiles. Parce que pour la guerre des étoiles, pour mettre en jeu des canons à électrons, il faut des puissances considérables. Puis après, j'ai quitté ce laboratoire et je suis devenu astrophysicien. Je me suis occupé de dynamique des galaxies. Après, je suis passé à la cosmologie. Et en ce moment, certains de mes camarades font des efforts méritoires pour essayer de me recycler à la logique. Je ne suis pas spécialiste, mais donc je suis venu un petit peu, ça fait retourner à l'école. C'est très amusant parce qu'on est toujours le potage de quelqu'un. Et j'ai la réputation de faire éclater la tête de certains avec les choses extrêmement abstraites et compliquées que je fais. En fait, très vite, on tombe sur un type qui vous explique des choses. Moi, je ne comprends pas tellement facilement, malgré les apparences. Et je me rappelle ce collègue mathématicien qui me disait, au bout d'1 heure ou 2, on continue ou tu dors?
trouvais ça très rigolo. Moi, j'adore me retrouver cancre, quoi. Donc là, visiblement, il faut que je retourne à l'école pour des problèmes de logique. Alors là, ça, c'est tout mon devenir scientifique. Bon, maintenant, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait dans la vie. Ce que j'ai fait, j'ai fait une petite rechute des MHD quand j'étais à l'Observatoire de Marseille. Ça, c'est raconté dans les livres. Et maintenant, on saute à ce colloque de Brighton. Et quand je suis arrivé là-bas, je disposais d'informations que j'avais obtenues d'abord à propos d'un projet russe qui s'appelait Ajax. Et le projet russe Ajax avait été impulsé par un type qui s'appelle Freshtat. Les Russes sont des gens très futés, très brillants, en tout cas aussi futés et brillants que les Américains, sinon plus. Et disons que s'ils avaient eu de l'argent, ils auraient développé les mêmes choses que les Américains. Mais après l'effondrement de l'Empire soviétique, eh bien, il y a des tas de choses qu'ils n'ont plus été capables de faire. Et ce projet Ajax est tombé à l'eau. Donc, quand un projet tombe à l'eau, ben, les gens deviennent plus bavards, ils commencent à en parler et tout ça. Et c'est ainsi qu'à travers des articles qui avaient été publiés pour Ajax, j'ai pu voir apparaître une chose absolument étonnante, c'est que Ajax était un projet d'appareil hypersonique, volant donc à Mach 12 à 10 000 km/h et à très haute altitude, fonctionnant avec des réacteurs conventionnels, mais comme le Concorde, quoi. Alors là, il y a un problème, c'est que lorsque on vole en supersonique, Mach 2 ça va, Mach 3 ça va, vous avez déjà vu des photos du Blackbird, du SR-71, qui est un biréacteur, je crois qu'il faisait Mach 3-2 ou 3-4 ou juste comme ça, et ça marchait toujours avec une turbine et à l'entrée d'air, une onde de choc faisait passer le gaz du régime supersonique en régime subsonique, ce qui permettait de l'envoyer dans le compresseur et de le faire fonctionner. Mais à partir de ces nombres de Mach, le turboréacteur ne fonctionne plus. Donc actuellement, officiellement, on fait des études avec ce qu'on appelle des scramjets. Le scramjet, c'est un statoréacteur avec une combustion hypersonique et on monte à des Mach du genre 5-6. Mais là, on avait la valeur double pratiquement. On était à Mach 10, Mach 12, Mach 15 et le russe parlait de turboréacteur conventionnel. Donc ça posait un sacré problème. Et je suis arrivé à ce colloque en Angleterre, et là j'ai trouvé une bande d'Américains, et c'est pas moi qui leur ai sauté dessus, c'est l'inverse. Il y a tout de suite un type qui est allé me voir en disant « Vous êtes le professeur Petit ?» J'ai dit « Oui, je pense. » Et la première fois que j'ai entendu parler de vous, c'était en 1976, quand on m'a confié à examiner vos premières publications de l'Académie des sciences sur les aérodynes MHD. Bon, ça faisait 25 ans. Et puis on se met à discuter le cours, lui et moi, et au bout d'une demi-heure, j'ai dit, vous avez quand même des connaissances très pointues dans ce domaine qui ne sont pas fréquentes. Moi, par exemple, en France et en Europe, je reste pratiquement le seul spécialiste, parce qu'on a tout laissé tomber au début des années 70. Ça fait quand même 30 ans qu'on ne fout plus rien dans ce domaine. Il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de bouquin, il n'y a pas de thèse. Il y a un moment où le savoir finit par s'effilocher, quoi. Donc ce type-là avait l'air très au courant, alors qu'en principe, les États-Unis avaient laissé tomber comme tout le monde. Et je lui dis, mais vous avez l'air très calé dans ce domaine-là, comment se fait-il? Il me dit, c'est moi qui ai conçu et mis au point la torpille MHD américaine. Torpille MHD. Alors effectivement, je comprends pourquoi ce type-là était assez amusé. Si vous trouvez, bon, il se trouve que je vends des CD-ROM sur lesquels il y a mes bandes dessinées. Donc, comme j'en ai amené tout un paquet, si vous en êtes curieux, vous pourrez aussi les acquérir tout à l'heure. Et sur ce CD-ROM, les bandes dessinées de l'Enturlu, il y a une bande dessinée que j'ai faite en 83 qui s'appelle « Le mur du silence ». Et ça, c'était une bande dessinée sur la MHD que j'avais conçue pour être compréhensible même par un ministre. Et ce qui amuse énormément les Américains, c'est que cette bande dessinée contient énormément de secrets militaires. Pour donner un exemple, mon vieil ami Tonio Oppenheim, qui s'occupait de mécanique des fluides à l'université de Berkeley, m'avait invité à faire un séminaire en 86, je crois, quelque chose comme ça, à l'université de Berkeley. Et je suis allé faire cet exposé, donc j'ai expliqué pas mal de choses. Puis à l'époque, mes bandes dessinées avaient été traduites en anglais, donc elles sortaient, donc ça me permettait de les présenter et tout ça. Et j'ai donc présenté en particulier toutes les idées de MHD que j'avais. Et il y a eu une scène, mais homérique. À un moment, Oppenheim s'arrête et il dit, il s'adresse à un type qui est au fond de la salle. Et il dit, professeur Kunkel, même âge, hein, 75, 80 ans, quoi. Nous avons fait nos études ensemble, il y a longtemps qu'on se connaît. Je ne vous ai jamais vu vous tenir aussi mal dans un séminaire. Qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas, Kunkel prend la parole en disant, écoutez,
J'avoue que je craque un peu parce que depuis que j'entends ce français, il nous a présenté des bandes dessinées, il a présenté des idées du MHD, et je dois avouer qu'il y a beaucoup des idées qu'il présente, qui sont actuellement étudiées très intensivement aux États-Unis, en particulier au Lawrence Livermore Laboratory, mais que là, c'est tellement secret que je ne suis même pas autorisé à vous dire de quoi il retourne. Autrement dit, Kunkel avait découvert les trucs top secrets de Livermore dans la bande dessinée Jean-Pierre Petit. Donc c'est pour ça que je suis un peu connu dans ce domaine, parce que c'est sûr que ces gens-là ont développé ça, 80, ça fait quand même presque 17 ans, hein. Donc c'était il y a 17 ans. Il y a 17 ans, les secrets militaires au plus haut niveau des Américains étaient dans les bandes dessinées de JPP. Bien sûr, les Français ne remarquaient rien, quoi. Donc, les gars qui m'ont abordé connaissaient mes travaux, et c'est là que je me suis aperçu que j'étais un petit peu le Louis Blériot de la MHD dans ces black programs américains. Après, ma foi, c'est toute une question de technique pour faire parler les gens. Je sais pas si j'ai l'air bavard comme ça, mais quand je veux faire parler quelqu'un, je mets vraiment le paquet, et vous verrez que dans le livre, que pour certains, j'ai même utilisé la bière anglaise de manière extrêmement lâche, quoi, j'avoue. Parce que quand on a bu 5 pintes de bière, on est beaucoup plus bavard que quand on est à sec, quoi. Bon. Et je peux vous dire actuellement que les gens qui m'ont fait ces confidences ont pas mal d'ennuis dans leur propre pays. J'ai pas cité leur nom, mais il y en a même un qui m'a écrit en me demandant de lui faire une lettre disant qu'il n'a jamais dit ça. Parce que ça lui permettait de... Bon, alors toujours est-il, on revient à cette question de torpilles. Et les torpilles françaises... Il y a la torpille standard, 7 mètres de long, 400 ampères. Elle fonctionne avec des piles qui sont activables en mettant un électrolyte dans la torpille. C'est pas dangereux, ça peut pas exploser. 100 km/h. Et puis il y a des torpilles qui marchent avec carburant, qui font 120 km/h, qui sont plus délicates à utiliser. Il y en a une qui a explosé un jour en entraînant la perte d'un sous-marin anglais, donc on les utilise en général pas du tout. Et on les largue à partir d'hélicoptères. Alors comment est-ce que j'ai su ça? Je crois que ça vaut le coup de raconter l'anecdote. Il y a 3 ans, je descends le Nil en bateau et je suis en train de regarder Louxor et ses merveilles. Et à ma gauche, il y a un type et je lui dis: qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et il me dit: je suis ingénieur d'essai en torpilles. Ah bon? Il me dit: et vous? Moi, je suis représentant soutien-gorge. Donc 1 heure après, il n'en savait pas tellement plus que moi sur le soutien-gorge. Par contre, je savais tout sur les torpilles. Voilà comment les choses se font, quoi. Bon. Hein. Alors, si j'en crois cet homme, et je crois que c'est vrai, les Français en sont toujours à l'hélice. Hein, alors que dans tous les pays du monde, enfin les pays développés, Amérique, Russie, et puis même Angleterre, la propulsion des fusées se fait par poudre. Hein, ça marche plus, l'hélice, au-delà de 120 km/h, ça ne fonctionne pas, quoi. Donc c'est des propulseurs à poudre. C'est simple, fallait y penser. Ensuite, on a le problème du frottement de l'eau. Alors, ça, vous pouvez vous rendre compte facilement que ça frotte 1000 fois plus que l'air. Vous prenez une canne, vous l'agitez dans l'air, il n'y a pas grand-chose. Faites la même chose dans l'eau, la résistance est beaucoup plus grande. Donc, question, comment on fait pour déplacer des torpilles à très grande vitesse et s'affranchir du frottement de l'eau? Eh bien, c'est simple, à l'avant, on a un générateur de gaz, une espèce de petite fusée, qui crache des gaz à 2-3 000 degrés. Ces gaz se mélangent à l'eau de mer, vaporisent l'eau de mer, et la torpille se trouve entourée d'une espèce de gaine de vapeur d'eau de 20 à 30 cm d'épaisseur, et elle se balade là-dedans à toute berzingue. Et vous avez des photos, donc il y a une photo en particulier dans mon bouquin, d'une torpille russe qui s'appelle Gjval, je crois que ça veut dire le squale, sauf erreur. Et ça atteint 500-600 km/h sous l'eau. Petit détail, les Américains ont la même qui s'appelle Supercave. Chez eux, ça a 30 ans. Chez les Français, on ne sait pas encore que ça existe. Les Anglais commencent à étudier ça. Et cette torpille s'appelle chez eux Spearfish, ce qui est l'espadon. Il ne faut pas oublier que l'espadon, c'est le secret de l'espadon. Pour ceux qui ont lu les bandes dessinées, et les scientifiques aiment bien faire des petits clins d'œil comme ça, parce que finalement, ça ressemble pas mal à l'espadon avec son bout du nez. Ça crache du gaz. Alors, il y a quelques mois, il y avait en France une manifestation qui s'appelait Euronaval, dont vous avez peut-être entendu parler. Et là, à ce moment-là, Madame Alliot-Marie met son plus beau tailleur et essaye de vendre le maximum de torpilles et de cochonneries aux pays arabes qui viennent avec des poignées de pétrodollars pour acheter tout ça. Et un de mes copains parle à un amiral et lui dit « Qu'est-ce que vous pensez de ce que Jean-Pierre Betty raconte à propos de ces torpilles hypervéloces ?» Et l'autre lui répond: une torpille qui va aussi vite serait totalement inutilisable. Autrement dit, ces torpilles vont trop vite. Il y a une autre remarque d'un autre amiral, c'était:
En matière de torpille, la vitesse, ça n'est pas tout. Donc voilà des gens qui en sont encore à la marine à voile. Je crois qu'il faut s'attendre un jour à ce que les destroyers français fonctionnent à la voile, parce qu'à ce moment-là, ils sont furtifs, quoi. Ça doit certainement être... Avec des mâts en bois, ce sera beaucoup moins détectable au radar. Ça ira moins vite, mais enfin, on ne peut pas tout avoir, quoi. Donc, s'agissant de torpilles MHD, moi, je ne connaissais pas encore les performances de ces torpilles à vapeur. Et j'ai hasardé un chiffre, j'ai dit à mon gars, ça va à quelle vitesse? Donc là, 500-600 km/h. Et là, il m'a répondu, oh, machement, avec un ton comme ça. Je lui ai dit, mais combien? On me dit, en 1980, on arrivait à 2000 km/h. Waouh, 2080. Or, il y a quelque chose qui vous bouffe à chier. En 85, j'étais allé à un congrès de MHD civil aux États-Unis. Il y avait plein de gens, tous les pays et tout. Et tout le monde tirait la gueule. Les Français, les Italiens, les Anglais et les Américains. Et tout le monde était là en train de pleurer. C'était un concert de lamentation. Quand est-ce que la MHD reprendra? Oh, avant on avait du budget, avant on pouvait faire ci, on pouvait faire ça. Et là, cette MHD civile était vraiment maintenue. Il n'y avait personne, il n'y a pas d'argent, pas de crédit, tout ça. On était à 85. Ça faisait 5 ans que les Américains faisaient marcher des torpilles à 2000 km/h. Donc, on peut imaginer un dessin humoristique où à droite, vous avez un type qui est dans la MHD civile avec des toiles d'araignée et il tire la gueule. Et à gauche, le militaire qui dit 2000 km/h, formidable, continuez. Et là, c'est là que vous réalisez une chose, c'est que les Américains nous ont désinformés. Ils ont démarré une MHD militaire à partir du début des années 70, quand ils ont compris que ça avait partie liée avec ces choses-là, le profit qu'ils pouvaient en tirer. Et à côté de ça, ils ont laissé dépérir leur MHD civile. Ostensiblement. Et je pense que ces gens comme Jean-François Louis, de l'AFCO, enfin tous les gens qui se trouvaient là-bas, ne savaient pas qu'il y avait une MHD militaire. Donc tout le monde ne jouait pas à la comédie, quoi. Disons qu'ils disaient, ben, l'MHD c'est foutu, ça n'intéresse plus personne, etc. C'est quand même génial. Où se gérait cette MHD militaire? Ben, dans des sanctuaires hautement confidentiels de défense, dont la fameuse R-51. Donc, vitesse de cette torpille, 2000 km/h, vraisemblablement 3000 maintenant. Alors, l'intérêt d'une torpille de genre, vous le percevez immédiatement, en cas de guerre, ce qui est indispensable, c'est de détruire les plateformes de tir nucléaire sous-marine de l'ennemi. Hein. Or, nous, si on essaye de détruire une plateforme sous-marine ennemie, on lance une torpille, on prend la montre, et il y en a pour 2 minutes et demie. Hein, et on dit surtout, espérons qu'ils ne bougent pas. Parce que comme les sous-marins russes sont suspectés d'aller presque aussi vite que nos torpilles, on a peut-être du mal à atteindre un sous-marin quelconque. Donc, si vous voulez, ce qui se passe au niveau militaire, c'est assez cocasse, c'est que dans la marine, même dans l'aviation, les gens sont en train de découvrir qu'ils ont 25 ans de retard sur les Américains. Je ne sais pas si je l'ai écrit dans mon livre, mais en tout cas, c'est ce que je pense. Je pense que les sous-marins nucléaires français, on devrait les louer au club méditerranéen pour faire des promenades. Ça ne sert plus à rien, quoi. Vous vous rappelez le site des missiles du plateau d'Albion? On avait creusé une salle à 500 mètres de profondeur avec des silos, etc. Ça n'a jamais été inauguré. Et pourquoi ça n'a jamais été inauguré? Parce qu'en même temps, les Russes et les Américains et tous les gens un petit peu avancés avaient développé des systèmes de missiles à tête multiple pilotables en phase de rentrée, qui se guidait sur des signaux radar, donc autrement dit, avait une précision d'impact de 80 mètres, et une bombe atomique à 80 mètres d'un silo, il n'y a plus de silo. Donc ce n'était pas la peine d'inaugurer un système de tir avec des postes fixes, parce que c'était obsolète avant même qu'on coupe le rideau, le ruban. Donc Albion n'a jamais été fini, mais il n'a même jamais été inauguré, quoi. On l'a rendu au gardien de chèvre avant qu'il puisse servir à quoi que ce soit, quoi. Bon, bah, pour les sous-marins nucléaires, actuellement... il y a une espèce de prise de conscience dramatique. Je ne sais pas si ces gens-là se le disent dans leur cénacle, mais vraiment, s'ils sont face à la réalité, c'est vraiment, nos trucs ne servent plus à rien. Nos sous-marins sont des brouettes, nos torpilles sont des carreaux d'arbalète, quoi. Pourquoi ne pas équiper le porte-avions Charles de Gaulle avec des arbalètes? Ce serait plus simple, carrément. Hein. Moi, elle serait furtive, on pourrait tirer sur les gens avec des arbalètes, parce que en matière de mitrailleuse, la vitesse, c'est peut-être pas tout non plus, hein. On ne sait jamais. Bon, alors, j'en avais donc appris pas mal sur cette torpille MHD et sur ses performances en vitesse. Alors, comment ça marche? Ça marche, c'est très simple. On a un propulseur à poudre, et ce propulseur à poudre, il est couplé avec un générateur MHD. C'est-à-dire qu'une partie de l'énergie cinétique du gaz qui est éjecté par la tuyère est utilisée pour fabriquer l'électricité. Et pour que ça fonctionne,
il faut que le gaz soit porté à très haute température. Donc à ce moment-là, imaginez que vous alliez voir un fabricant de fusées comme la SEP, la Société Européenne de Propulsion, et vous dites, voilà, je voudrais une fusée à poudre et je voudrais une température d'éjection très forte. Combien vous voulez? Je ne sais pas, 2500, 3000 degrés. Une température comme ça, votre tuyère, elle va durer quelques secondes. Ça me suffit, je n'ai pas besoin de plus. Ben oui, les torpilles MHD américaines, elles ont 5-6 secondes de durée de vie. Elles vont tellement vite qu'elles atteignent leur cible au bout de quelques secondes et non pas au bout de quelques minutes, quoi. Donc, avec ça, on fabrique de l'électricité. Et cette électricité, on l'envoie vers l'avant de la torpille où il y a à ce moment-là des systèmes d'accélérateur MHD pariétal qui aspirent la flotte. Donc, il n'y a plus de frottement de l'eau. Il y a l'inverse du frottement. La torpille avance en suçant l'eau. Et elle a même, je pense, 70% de sa poussée qui est due à la succion de l'eau. Et avec ça, elle peut atteindre des vitesses. Et il y en a même qui conjecturent qu'on peut peut-être frôler le supersonique marin 4005 sous l'eau. Bon, tous ces trucs-là, en France, inconnus au bataillon. Hein. Alors c'est drôle parce que quelquefois, il y a des gens qui me disent « Mais vous avez été proposé ça à l'armée. » Mais j'en ai rien à foutre de l'armée. Je vais vous dire, je me présente. Je suis Jean-Pierre Petit. Je suis peut-être directeur de recherche au CNRS, encore pour 2 mois. Après, je serai à la retraite. Mais si après, je voulais avoir une étiquette, ce serait « citoyen du monde ». C'est un mot qu'on avait lancé dans le temps. C'était une belle idée, quoi. Mais je crois que cette idée, maintenant, il faut qu'elle devienne réalité. Il faut que les gens se sentent réellement citoyens du monde, parce que les nationalités, ça n'a plus de sens. Les guerres, ça n'a plus de sens. Les rivalités, ça n'a plus de sens. L'armement, ça n'a plus de sens. Il y a un mois et demi, j'ai rencontré des gens, on pourrait dire que c'est un peu genre service secret, ils voulaient me rencontrer, quoi, bon. Et ils m'ont dit, mais Aliou Marie passe son temps devant votre site internet, parce qu'au moins elle comprend, moi j'explique bien. Alors, de temps en temps, elle dit à un de ses amiraux ou généraux, dites ce qu'il raconte Petit là, dans son truc, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, Madame le ministre, nous y travaillons, hein, nous y travaillons, en fait, ils découvrent. Ils sont largués, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point. Et ça qui est fantastique, c'est que tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui me disait, mais en France, on fait d'excellents avions. Mais oui, on a de très bonnes fusées. Ariane met des trucs sur orbite, c'est formidable. On a le TGV. Dans le temps, on avait le Minitel. Maintenant, on a des trucs qui marchent. Mais il y a des endroits où on est complètement en dehors du jeu. C'est pas le problème. Donc, étant dans ce colloque, j'ai réalisé que je me trouvais dans un bon lieu de pêche, on pourrait dire. Hein. Comme quand on est en Islande, sur un banc de harengs, quoi. Donc, il y avait des choses à apprendre. Hein. Et c'est raconté de façon assez marrante dans ce livre, parce que c'est un peu un thriller. Ça a duré quelques jours. Et on se dit, j'ai quelques jours pour apprendre le maximum de choses. Donc là, le gars à la torpille, ça n'avait pas trop mal marché. Je m'en suis pris un deuxième, dont je savais qu'il avait travaillé sur des projets d'hypersonique et sur Aurora. Et là, il y a une scène assez amusante. C'est évoqué dans le bouquin. Je vous ai donc dit que j'avais fait un livre qui s'appelait « Le mur du silence ». Il avait été traduit en anglais, c'était « The Science Barrier ». Et j'avais amené cette BD de MHD, et évidemment, la photocopieuse avait marché, comme elle est assez amusante. Les membres du Congrès avaient fait circuler toutes ces bandes dessinées. Il y avait des gens fantastiques à ce Congrès. Il y avait un type qui s'appelle Sir Allen. Sir Allen, outre qu'il a un humour anglais à crever de rire, il est très élégant, il avait un beau costume pied de poule à nœud papillon, enfin, c'est formidable. Et qu'est-ce qu'il a fait, Sir Allen? C'est le concepteur des V-Bombers. Les V-Bombers, c'est les bombardiers V. Alors, il faut avoir un certain âge pour se souvenir de ça. C'est le Vulcan, c'est le Valiant, c'est tout ces c'est le Victor. Et les bombardiers V, vous en voyez un dans le film de James Bond, l'opération Tonnerre. Et à l'époque, bah les Anglais étaient quand même très avancés en matière d'aéronautique. Et en particulier, Sir Allen avait été le concepteur du premier missile de croisière qui s'appelait le Blue Steel, l'acier bleu. Donc le Vulcan avec le Blue Steel en dessous pouvait atteindre la Russie avec un missile de croisière. Et là, il y a une petite anecdote que je raconte dans le livre qui est assez rigolote. La première fois que je suis allé aux États-Unis, ou plutôt la seconde fois, la première fois, j'ai pris un bateau qui était le Mauritania, qui était l'équivalent du Titanic. On l'a désarmé assez rapidement, mais j'ai fait une traversée sur un bateau de ce genre-là. Bon, pas rentrer dans le détail. Autrefois, je prends un avion qui est un DC-6 de la compagnie Icelandic Airlines, qui était l'ancêtre des charters. Alors là, comme c'est un avion qui était incapable de traverser l'Atlantique d'un seul coup d'aile, il faisait Luxembourg-Glasgow, Glasgow-Reykjavik et Reykjavik-New York.
Hein. Bon, à chaque escale, on a passé je ne sais pas combien d'heures parce que l'avion était en panne, il fallait changer ceci, il fallait changer cela. C'était assez inquiétant parce que on ne peut pas dire que les temps de vol étaient respectés. Et quand on a voulu faire Reykjavik-New York, là, il est carrément tombé en panne. Il y avait deux moteurs en croix. À bord, il y avait plein de juifs intégristes avec leurs frisettes et ils étaient dans leur Torah en train de prier. Parce que vraiment, on avait l'impression qu'on allait se casser la figure. Finalement, on a trouvé le moyen de se poser sur une base du stratégie qu'il recommande. Et là, c'est comme dans le docteur Falamour. On arrive sur une base et par le hublot, j'ai vu les V-bombers kaki anglais avec les étoiles américaines, qui étaient justement les bombardiers anglais qui étaient stockés, qui avaient été intégrés au stratégie qu'il recommande. Une fois qu'on est arrivé, on était entouré de GI avec l'arme au poing qui nous ont emmenés dans un hangar où on a passé 24 ou 48 heures enfermés jusqu'à ce qu'on répare l'avion. Et on n'a pas eu le droit de mettre le nez dehors. Bon. Enfin, bon. Là-bas, il y avait donc des types comme Sir Allen, qui était. Et il y avait ce type dont je suis. Alors, Sir Allen avait été très enthousiaste pour cette BD, Le mur des silences. Et je rencontre cet Américain qui me dit oh, est-ce que vous pourrez me passer une copie de votre bande dessinée? Parce que je l'ai vaguement entrevue, c'est très intéressant. Et à ce moment-là, j'ouvre la BD, page 36. Et donc, si vous avez le CD avec la BD Lumière du silence, vous pouvez regarder page 36, il y a un schéma, il est reproduit dans le bouquin. Et à ce moment-là, quand le type voit ça, il me dit « Oh, this is Ajax !» Ajax, le projet hypersonique russe. Ben, vous savez, pour faire le lien entre Ajax et ce schéma, ce n'est pas évident. Et là, c'est comme l'histoire du représentant de soutien-gorge. Il n'a peut-être pas réalisé que je connaissais la MHD. Et je lui ai répondu du tac au tac, ouais, c'est aussi Aurora, et vous en êtes occupé, c'est le système de générateur pariétal et tout ça. Et là, le type a été un peu déstabilisé, ça m'a permis de faire parler pas mal. Et puis, j'ai investi, je lui ai offert une bande dessinée originale en échange d'un dîner en tête-à-tête. Et au cours de ce dîner en tête-à-tête, j'ai fait un pari avec lui. Je lui ai dit, écoutez, on va discuter le coup, et si j'ai raison, on va se prendre chacun une grosse panne de bière anglaise, vous buvez, sinon c'est moi. Il m'a répondu, ok, cowboy. Et une heure et demie après, je savais tout. Alors, voilà ce que j'ai appris là-bas. Voilà comment ça fonctionne. Donc, je crois que là, je vais me mettre face à la caméra, enlever la bouteille, parce que comme cet animal Jean-Yves a oublié de mettre le paperboard, je ne peux pas faire de dessin. Donc, c'est un livre dans le secret privé. Alors, voyons voir. Vous pouvez me donner le retour image pour qu'on voit un peu ce que ça donne, c'est possible, non? Que je vois, non? Je peux pas voir. Voilà. Alors, voilà. Alors là, vous avez une maquette que j'ai fait en carton, hein, qui vous montre l'engin Aurora, qui était aussi l'engin Ajax. Donc voilà la forme en plan. Hein. Voilà comment ça se présente de profil. J'ai fait ce que j'ai pu avec du carton, c'est pas très facile. Comment ça fonctionne? Bon, bah, c'est une espèce de flange à repasser, une espèce de concorde, comme ça. Et en dessous, eh ben, vous avez un groupe motopropulseur avec quatre turboréacteurs conventionnels. Donc ce truc-là, ça décolle, je n'ai pas fait le train d'atterrissage. Et puis, ma foi, ça se met à grimper, Mach 1, Mach 2, Mach 3, ça monte jusqu'à 30 km d'altitude. Et vous trouvez effectivement des schémas de ce genre sur Internet. Hein. Il y a une espèce de Librius qui a expliqué que tout ça se trouvait sur Internet depuis longtemps, ce qui est complètement faux. C'est apparu dans mon livre. Et vous avez un projet, par exemple, sur Internet qui s'appelle HyperSOAR, Hyper SOAR. Ça doit se trouver à hypersoar.org ou un truc comme ça. Vous pouvez le trouver facilement. Et on voit effectivement une machine de ce genre avec des performances qui sont décrites, qui sont assez similaires, avec un groupe motopropulseur qui est fixé de la même façon. Simplement, on présente ça comme un projet, alors que ça vole depuis 13 ans. Ça, c'est génial. Les Américains nous prennent pour des billes. C'est extraordinaire, moi je trouve ça fantastique. C'est quand même extraordinaire de dépenser de l'argent pour faire des pseudo-essais en essayant de faire croire aux Européens qui s'apprêtent à s'engager dans l'aventure de l'hypersonique alors que c'est un truc qui domine complètement. Ensuite, quand vous regardez le projet HyperSOAR, eh ben, vous voyez que le groupe motopropulseur, c'est un groupe de statoréacteurs qui fonctionne en scramjet, avec de l'hydrogène liquide qui est censé refroidir les bords d'attaque et alimenter ensuite le réacteur. Tout ça étant à l'étude. Or, la technique scramjet actuellement, ça ne permet pas de dépasser Mach 6, 5. Or, ce truc-là est donné pour Mach 12 ou 15. Donc, il y a un problème. Comment on fait les 6 points de Mach supplémentaires? Ce n'est pas dit dans la chanson. En fait, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et
l'idée clé, c'était la confidence de Freistadt sur le fait que c'était des moteurs à turbo-réacteurs conventionnels qui fonctionnaient. Et le secret, n'en déplaise aux gens qui ont écrit un peu partout, dans des sites ou ailleurs, que c'était bien connu. Non, c'est pas bien connu. Et bon, je me suis amusé à le lâcher dans mon livre. Et même chez ce brave Tapie, dans l'émission de Tapie, j'ai dit à Bernard Tapie, c'est la première fois qu'on verra ces images à la télé, hein, effectivement. Alors voilà l'engin. C'est-à-dire que là, vous aviez Aurora au décollage, avec ses entrées d'air ouvertes. Et puis tout d'un coup, bah, vous voyez la maquette à côté, vous voyez que les entrées d'air se sont fermées, là. On a fermé les entrées d'air inférieures. Et à ce moment-là, il y a une entrée d'air MHD qui s'ouvre au-dessus. Là, on la voit bien. Faites un peu un gros plan qu'on voit comment c'est foutu, là. Hein. On peut zoomer un peu, voilà, grossissez, grossissez, voilà, parfait. Donc vous voyez comment ça se passe. Vous voyez que vous avez, à l'avant, j'ai représenté en jaune, des électrodes. C'est assez schématique. Vous avez cette entrée d'air, et à l'intérieur, on voit que cette entrée d'air communique avec le turboréacteur conventionnel. Alors qu'est-ce que c'est que cette entrée d'air MHD? Bon, on va la mettre de profil comme ça. Vous avez des électrodes. Bon, c'est pas comme ça en quelques minutes à l'écran et dans cette salle que je vais pouvoir vous expliquer comment ça fonctionne. Vous trouverez ça dans l'annexe scientifique de mon livre, ça vous expliquera comment ça fonctionne. Mais c'est une idée géniale, et une idée géniale que je n'ai pas eue. Et je vous assure que quand j'ai compris ça, je me sentais mal parce que j'ai eu ça sous le nez pendant 20 ans et je ne m'en suis pas rendu compte. J'avais effectivement été un des co-inventeurs du générateur, de l'accélérateur pariétal. L'accélérateur pariétal, c'est ce qu'on utilise pour accélérer l'eau à la paroi des torpilles, comme on disait, je vous le disais tout à l'heure. Ces torpilles MHD, elles ont toute la paroi qui est tapissée d'électrodes comme ça, qui sont, je ne sais pas, à un centimètre l'une de l'autre, quoi. Hein. Bon, l'accélération, ça va, mais les machines MHD sont réversibles. Si vous prenez une magnéto, eh bien, la magnéto, vous tournez la manivelle, vous faites du courant électrique. Mais si vous mettez du courant électrique, vous détournez la manivelle. La machine est réversible. Les machines MHD sont aussi réversibles. Et je le savais. Et je n'ai pas pensé à appliquer ça au générateur pariétal. Ce qui fait que là, derrière, vous avez un accélérateur pariétal. C'est-à-dire que là, on injecte de la puissance électrique et on augmente la vitesse d'éjection des tuyères. Voilà vos moteurs à réaction conventionnels. Le gaz sort à une certaine vitesse et cet accélérateur-là leur donne un surcroît d'énergie. Mais de l'autre côté, ici, ça fonctionne en générateur. Donc c'est ceci qui produit la puissance électrique. Ce qui fait que l'idée fabuleuse d'Ajax et d'Aurora, je me suis toujours demandé, mais pour arriver à mettre en jeu un système MHD sur un appareil de genre, il faut 100 mégawatts. Comment on les fabrique, 100 mégawatts? C'est la puissance d'un réacteur nucléaire de sous-marin. Ça pèse lourd. Je vois mal mettre ça dans un avion. Il n'y a pas besoin de réacteur. Voilà le générateur. L'énergie, c'est l'énergie du gaz. Et alors, en plus, on gagne sur tous les deux tableaux. C'est qu'on fabrique de l'électricité. Pas deux tableaux, quatre tableaux à la fois. On fabrique de l'électricité dont on va servir après pour accélérer le gaz en sortie de tuyère. Et en fabriquant cette électricité, l'air arrive avec une vitesse V. Donc il a une énergie cinétique à demi de MV2. Donc si vous convertissez l'énergie en électricité, vous ralentissez le gaz. Le gaz est ralenti continuellement sur cette partie supérieure. Sa pression augmente. Vous le ralentissez sans l'échauffer. Ça vous permet de le faire rentrer dans la gueule d'un turboréacteur conventionnel. Ce qui fait que l'idée de Freistadt se trouve, enfin la confidence de Freistadt se trouve confirmée. Ces engins-là fonctionnent en hypersonique à 10 000 km/h, à 60 km d'altitude, avec des moteurs de Concorde, ce qui est fabuleux. Bon, c'est un peu plus compliqué que les moteurs de Concorde, parce qu'en plus on utilise la tension électrique pour enrichir le carburant en molécules C60. Enfin, c'est toute une usine à gaz. Il y a une chose qui est assez amusante, c'est quand vous voyez ce schéma-là, vous dites, bon, bah, il n'y a qu'à prendre un Concorde et puis lui mettre des électrodes. Ça... Non, ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est 1000 personnes au boulot pendant 30 ans et pas les premiers venus. C'est un retard irrattrapable pour les Européens. Pas forcément pour les Français, mais pour les Européens. Même si les Européens pouvaient se mettre tous ensemble, ils ne rattraperont jamais les Américains. Surtout que les Américains continuent. Ils n'en sont plus là. Ils sont bien en avance. Vous savez, quelquefois, quand ils montrent des choses, on avait tendance à se dire, s'ils montrent ça, c'est qu'ils ont mieux. Ben, c'est vrai. Hein. Par exemple, ça, c'est l'avion espion américain. Pourquoi c'est l'avion espion américain? Alors, premièrement, je vais quand même apporter un complément. J'ai expliqué que ce système permettait de faire fonctionner des moteurs à réacteurs conventionnels, que grâce à ça, on a mis... Parce que cette machine Aurora, elle fait une onde de choc. Et cette onde de choc, comme le dessus est entièrement plat, l'onde de choc est en dessous.
Et c'est ce qu'on appelle un wave rider. Un wave rider, c'est une machine qui marche en surfant sur son onde de choc. C'est comme une planche de surf, un truc comme ça. En dessous, et une surpression, et la machine peut voler comme ça. Qui plus est, Aurora est... alors là, c'est merveilleux, c'est la dernière phrase que m'a dit ce gars quand il était rempli de pain de bière. Il était debout à côté de la table, il oscillait, et il m'a dit, et en plus, Aurora est satellisable. Ah bon? Comment? Grâce à la poussée donnée par des moteurs fusées additionnels. Donc, quand le truc atteint 10 000 km/h, eh bien, vous savez qu'à 28 000, on est satellisé. Mais si vous allez simplement à 15 000, 17 000 km/h avec une poussée supplémentaire, eh bien, à ce moment-là, la machine sort de l'atmosphère, elle fait un bond. Hein. Et ensuite, cette machine va en fait voler comme un galet qui ricoche à la surface de l'eau. Et ça, c'est indiqué en clair dans hypersure.org. C'est une façon de se déplacer où la machine sort de l'atmosphère terrestre, fait un vol semi-balistique, revient, reprend la vitesse, ressort, revient, reprend la vitesse. Dans le projet Hypersoar, on indique que ça met New York à une heure de Tokyo et qu'il y aurait 25 ricochets. Bon. Ça, c'est un peu, je dirais, la version projet d'avion de transport, parce que ces engins-là, il faut bien vous dire une chose, c'est que ce sont les TGV de l'avenir. Hein. Tout commence par des versions militaires. Après la guerre, quand vous avez volé sur des Boeing 707, eh ben c'était le stratojet de quelques années avant, qui avait été... Bon, c'est pas tout à fait l'avion militaire, mais c'est dérivé de ces avions militaires. Bon, ben, un jour, ces engins-là deviendront des avions civils. Et à ce moment-là, vous aurez la possibilité d'aller aux antipodes en 2 heures. Tout compris. Je répète, 2 heures. C'est difficilement imaginable. Bon. Mais c'est déjà une réalité. Donc, comment protéger le bord d'attaque de ces engins-là sans que ça fonde? Ça fait intervenir quelque chose qui est un peu compliqué, qui s'appelle l'effet Hall. Et Freshtad en parlait déjà. Et je vous assure que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Moi, j'ai ramassé ces quelques petits bouts de phrases comme ça dans ma tête. J'ai eu une discussion de technicien avec les Américains qui étaient pas mal non plus. Et l'effet Hall permet, à partir de ces générateurs MHD, avec des champs magnétiques très intenses, je crois qu'Aurora doit faire 12 Tesla supraconducteurs, d'obtenir des champs très importants. Donc des tensions très importantes. Donc au bord d'attaque d'Aurora, on colle carrément, je sais pas, 30 000, 100 000 volts. Et comme c'est dans un gaz très raréfié, ça crée une décharge électrique. C'est pour ça qu'on l'appelle Aurora, parce qu'il vole à la frontière de l'ionosphère. C'est une altitude, la pression relativement basse, je crois que ça doit être quelques millimètres de mercure. Donc le bord d'attaque est complètement transformé en plasma, en gaz ionisé. Alors quelqu'un ne comprenait pas très bien, il avait l'impression que ce truc-là était accroché à l'avion. Non, c'est pas ça. C'est que l'air rentre, la décharge électrique l'ionise, et après, à l'arrière, il se désionise. Mais quand Aurora vole, c'est comme une espèce de petite comète, il y a une espèce de couche de plasma autour. Alors ça a deux effets. Le premier, c'est que l'onde de choc ne se forme pas sur le bord d'attaque, mais un mètre en avant, et de manière beaucoup plus soft, c'est pas du tout pareil. Et le second effet, c'est que l'engin est entièrement furtif. Vous savez par exemple que quand les satellites rentrent dans l'atmosphère, il y a une phase qui dure quelques minutes, 4 minutes environ, pendant laquelle on ne peut pas communiquer avec ces engins. Et on ne peut vraiment pas communiquer. Si on pouvait communiquer par radar, on le ferait. C'est important de pouvoir communiquer avec des astronautes pendant qu'ils sont en train de rentrer. Et si vous avez vu les films comme L'étoffe des héros, ou par exemple plus récemment, c'est repassé à la télévision, là, Apollo 8, à un moment, ils sont en train de rentrer, on ne sait pas si leur bouclier thermique va tenir. Et le type dit, on a 4 minutes à attendre pendant lesquelles on n'a pas de communication radio. Ça veut dire que lorsque ces capsules spatiales font leur entrée dans l'atmosphère, il s'écoule 4 minutes pendant lesquelles vous ne pouvez pas communiquer avec elles parce qu'elles sont complètement entourées de plasma, comme Aurora. Et si on avait des radars qui permettent de suivre les capsules spatiales pendant leur phase de rentrée, et ça, je peux l'affirmer, j'en suis pratiquement sûr, on est capable de... On a des radars spécialisés qui permettent de suivre des petits objets comme ça, comme des capsules spatiales en phase de rentrée. Eh bien, quand elles sont hors de l'atmosphère, on les détecte. Et puis, à un moment où elles rentrent dans l'atmosphère, elles sont entourées de plasma, et l'image radar devient floue. À la limite, il n'y en a plus du tout. Et je vous donne un exemple. J'ai un ami journaliste aéronautique qui m'a parlé, alors je ne sais pas si c'est paru dans la presse ou pas,
d'une détection d'aurora ou de machines de ce genre-là qui a été faite au Canada, où on a encore une fois de plus photographié le sillage de l'engin. Donc il y avait une image optique, et quand on a braqué un radar, juste devant le sillage, il n'y avait rien. Donc c'était un rien du tout qui faisait un sillage. Simplement, comme c'était entouré de plasma, il n'y avait pas d'écho. Donc vous aviez un engin qui était totalement furtif. Alors, ma foi, j'avais pas mal appris de choses là-bas, et mes réflexions après ont continué avec un engin qui s'appelle le B2. Alors le B2, j'ai fait une maquette en carton qui est un peu abîmée parce qu'elle a déjà fait une émission de télévision. Gros plan sur le B2, s'il vous plaît. Zoom. Allez, allez. Voilà, encore, 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 encore. Voilà. Alors vous connaissez la forme du B2, bizarroïde. Alors la forme en dents de scie du bord de fuite, expliquée dans une annexe. Ça n'a rien à voir avec les éco-radars, ça le stabilise à l'atterrissage. Bon. Ensuite, ce B2, il est censé avoir un fuselage, que vous voyez là, au centre, et puis des capots moteurs. Hein. Et lorsqu'on le regarde de face, on ne voit pas les aubes des turbines. Il y a une plaquette qui s'appelle B2 Spirit in Action. Dans mon site internet www.jp-petit.com, vous pouvez trouver un dossier où vous avez tout un commentaire sur cette plaquette sur le B2. Et ça vous montre une chose, c'est que ces B2 qu'on vous montre, ce sont des leurres. Ce sont des leurres, c'est une machine qui est donnée pour coûter 2 milliards de dollars. Or, ce qu'on vous montre là ne coûte pas 2 milliards de dollars. Moi, je suis ingénieur d'aéronautique, j'ai fait super-héros. Je me suis amusé avec des camarades à regarder toutes les photos qui étaient données à la loupe. Vous n'imaginez pas le nombre de conneries qu'on voit là-dedans qui montrent que c'est vraiment une espèce de trapanelle qu'on a faite pour montrer aux sénateurs un bon machin subsonique, etc. Ça n'est pas le véritable appareil. Le véritable appareil, je vais vous le montrer, comme ça. Voilà. Le véritable B2, c'est ça. Il y a juste les entrées d'air que vous voyez là, ici, et puis les sorties de réacteurs. Et la machine, on ne peut pas rêver plus furtif, hein, c'est complètement plat, on ne voit rien. Alors, cette machine-là, eh bien, elle fonctionne de manière assez analogue à Aurora. C'est-à-dire que vous avez des parties qui marchent en générateur MHD, des parties qui marchent en accélérateur MHD. Autour, c'est entouré de plasma, c'est complètement furtif, un truc comme ça, il n'y a pas de problème. Et vitesse 10 000 km/h, altitude de vol 60 km/h. Le B2 est une machine plus lourde qu'Aurora, enfin, a priori. Donc elle peut difficilement, je pense, faire cette espèce de vol en ricochet. Par contre, ce que j'ai découvert, moi, c'est qu'elle était plus sophistiquée que Aurora. C'est une machine plus récente, d'ailleurs. Je crois que le véritable B2 a dû faire son premier vol en 97, alors qu'Aurora, c'était 90. Donc, cette année, c'était écoulé. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur Aurora d'extraordinaire? On a effectivement des parties qui marchent en générateur MHD. Cette tension électrique est appliquée au bord d'attaque et au bord de fuite. Et la décharge électrique est beaucoup mieux contrôlée que sur Aurora, où Aurora ne sert qu'à empêcher l'onde de choc de dévorer la machine. Là, cette décharge est une décharge plane, qui doit faire peut-être 1 ou 2 mètres de long. Et elle a plusieurs propriétés, dont celle de varier la valeur locale de la vitesse du son. Et le B2 ne fait pas d'onde de choc. Donc c'est un engin totalement révolutionnaire. Je veux dire que le B2, c'est l'avion de transport de l'avenir. Et il y a dans la scène un journaliste italien qui m'a dit qu'il m'enverrait une lettre que des chercheurs, que des gens qui ont travaillé sur le B2 ont publié dans la revue Aviation Week and Space Technology. Et dans cette lettre, il regrettait que les technologies mises en œuvre dans le B2 ne soient pas injectées dans le domaine civil. Tout à l'heure, il y avait un monsieur qui me parlait d'un projet de Super Concorde. Et ce Super Concorde, je ne sais pas s'il verra le jour. Ça, c'est beaucoup mieux que le Super Concorde. N'imaginez pas, le Super Concorde, c'est un truc qui va voler quoi, Mach 2,5, 3, un truc comme ça. Là, on va voler à Mach 12. Et on peut emmener des passagers et arriver à Tokyo 2 heures après. Jamais le Super Concorde ne fera un truc pareil. En plus, ça ne fait pas de bruit. Ça ne bousille pas les oreilles des gens quand ça vole, quoi. Bon, ça n'a que des avantages. Alors évidemment, quand on voit ce genre de choses-là, je me rappelle quand j'en ai parlé la première fois, c'était l'année dernière, il y a des gens qui sont, par exemple, journalistes scientifiques, et quand on les a interrogés, ils ont dit que c'est du délire technologique. Maintenant, si vous allez sur Internet
et que vous cherchez le site de Northrop Grumman. Alors Northrop, Grumman, il y a deux M. Et je crois que c'est northropgrumman.org. Avec Google, vous trouverez ça facilement. Et en cherchant un petit peu dans ce site, vous allez trouver des films à charger. Celui-là fait 1 méga 9. Il dure 1 minute 16. Qui présente un certain nombre de réalisations de Northrop Grumman. Et il y a un film sur le B2. Donc sur le film dans le B2, on clique. Si vous allez sur mon site, vous avez en GIF animé, donc lisible par tout le monde, vous n'avez pas besoin d'avoir un logiciel spécial pour le lire, vous avez la séquence animée clé, quoi, qui montre ce qu'il faut. Alors, il y a une belle musique, extraordinaire, on voit le B2 en vol, c'est maniable, c'est formidable, ça décolle, ça vire autour des montagnes, tout ça. Qu'est-ce qu'ils sont beaux, nos avions et tout. Et à un moment, le B2 fait un passage au-dessus de la mer, et il passe en transsonique. Transsonique, ça veut dire quoi? C'est lorsque on tangente la vitesse du son. Or, on sait une chose, et ça, dans mon site internet, j'ai fait un dossier là-dessus, et vous verrez une image où on voit un F-18 américain qui fait un passage en transsonique, et à ce moment-là, il y a un phénomène de compressibilité qui se produit autour du mètre coupe de l'avion, là où c'est le plus épais, là où ça prend le plus de place. Et à ce moment-là, l'avion est entouré d'une espèce de nuage, non pas au bout du nez, mais dans sa partie la plus large. Le transonique est un régime qui est instable, c'est-à-dire que soit on passe au transonique et on va en supersonique, auquel cas le nuage disparaît, soit on revient au supersonique et le nuage disparaît aussi. Donc quand ces choses-là se font, on a vu souvent des séquences de genre-là filmées dans des meetings d'aviation. Et je dois dire pour ces pauvres Anglais que souvent c'est chez eux à Farnborough parce que le temps est humide et que leur atmosphère est souvent saturée d'humidité. Ce qui fait que lorsque des engins de démonstration font un passage en transsonique dans un meeting d'aviation anglais, ben on voit cette espèce de nébulosité qui se forme. Ces nébulosités, c'est un aérosol, c'est des micro-gouttes d'eau qui se forment et qui se revaporisent immédiatement en aval. Quoi. Donc par contre, ça change la valeur locale de la conductivité électrique. Mais en absence de tout système électrique, le nuage est blanc. C'est un nuage comme un cumulus, quoi. C'est la même nature. Et on voit un B2 qui fait un passage en transonique au-dessus de l'eau. On voit le nuage apparaître. Ça dure une seconde et demie. Je regarde. Le dessus de l'appareil, c'est jaune, ça émet de la lumière. Donc, j'ai demandé à un copain, écoute, extrais-moi ces images. Donne-moi des. Alors vous verrez dans mon site, on voit les images isolées et on voit la petite séquence d'une seconde et demie en GIF animé. Et la luminosité ne se produit que sur le dessus de l'appareil, pas sur le dessous. Il y a une espèce de boursouflure de vapeur comme ça ici et en dessous. Et la décharge, enfin c'est une décharge électrique. La lumière jaune émissive, c'est en dessus et pas en dessous. Moi je pense, et j'arrive pas à comprendre comment un journaliste n'a pas sauté là-dessus. Et je veux dire, moi, j'aimerais que ça se fasse. Ça m'est arrivé de rencontrer des journalistes qui m'ont dit « Oui, vous comprenez, c'est un peu embêtant, parce que vous parlez d'armes et vous parlez d'OVNI aussi. Mais ne parlez pas de moi, parlez du B2. Oubliez-moi. Allez sur le site Grumman Northrop, prenez les images, même pour la télé. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas ça au journal de 13h à TF1 ?» Le B2 pris en flagrant délit de démonstration de son système électromagnétique. C'est extraordinaire, quoi. Parce que ça peut être que ça. Par exemple, lorsque j'ai mis ça sur mon site internet, dans les heures qui ont suivi, il y a un type qui est actuellement sur la base Edwards américaine qui m'a dit vous avez mis Northrop Grumman dans la merde parce qu'ils n'avaient pas prévu que cette séquence allait être mise sur leur film. Effectivement, dans toutes les autres images, vous ne voyez pas de décharge électrique. Parce que la décharge n'est pas visible de jour. Effectivement, il y a une décharge électrique qui donne une certaine furtivité. Mais on n'a pas besoin d'arriver jusqu'au point où ça éclaire comme une décharge de foudre. Donc, quand la firme a voulu réaliser un petit film de publicité là-dessus, elle a pris des séquences qui ont été prises de jour. Et puis elle a dit, bon, bah, faites-moi un film là-dessus. Ils n'ont pas réalisé qu'il y avait cette séquence sur le transonique où il y avait un court-jus. Parce que ce que vous voyez dans la partie supérieure, c'est un court-circuit. C'est comme la vapeur est beaucoup plus conductive que l'électricité, boum, le jus passe, et à ce moment, ça devient lumineux. Et après, ça a été visionné par une huile de Northrop qui a dit, bon, ben, ça va, il y a qu'à le passer, ce truc-là, dans le grand public. Ils n'ont pas vu que le secret avait filé, quoi. Donc, je ne sais pas s'il y a des journalistes dans la salle, je ne sais pas s'il y a des responsables de journaux. Croyez-moi, ou alors vérifiez, ce truc-là est un scoop. C'est la capture de la preuve que le B2 a un système électromagnétique extrêmement sophistiqué. Et ce système électromagnétique,
les gens peuvent se dire, mais où est la source d'énergie? La source d'énergie, je vous l'ai expliqué, c'est l'air lui-même. Alors, évidemment, le type qui est sur Edwards m'a dit, Northrop va faire une mise au point d'ici peu. Alors, je ne sais pas quelle peut être cette mise au point, mais comment est-ce qu'ils vont faire pour expliquer que ce n'est pas une décharge? La seule explication, ce serait que ce serait le reflet d'un coucher de soleil. Or, comme c'est la partie supérieure qui est éclairée et pas la partie inférieure, ce serait un coucher de soleil spécial, le soleil se coucherait vers le haut, il se coucherait vers le bas, quoi. C'est ce que j'ai dit dans le site. Bon, enfin, affaire à suivre, hein. Peut-être que vous trouverez dans la presse spécialisée une photo avec l'explication, la décharge du BD était due à un coucher de soleil inversé, quoi. Bon, peut-être. Enfin, on peut peut-être croire un peu à autre chose, mais enfin bon, moi je suis épaté parce que comment se fait-il que les journalistes ne réagissent pas? Pourquoi est-ce qu'on ne saute pas là-dessus? Il n'y a aucun risque, quoi. On peut même présenter ça comme une conjecture. Cette photo trahirait-elle la présence d'un système hyper sophistiqué américain, etc. Oui, à l'horaire, on va être vite. Bon, alors, Jean-Yves me fait signe que, oh là là, vite, que l'heure a tourné. Donc, je ne peux pas vous raconter le quart de ce que j'avais dû vous raconter. Je vais simplement, après, quoi? J'ai un nausée demain, peut-être à l'atelier, je pourrais continuer. Mais maintenant, je vais quand même vous dire ce que j'avais de plus important à vous dire, et Jean-Yves m'avait dit de le dire à la fin, parce que... Oui, il m'avait dit de le dire à la fin. 2003 va être une année importante. Ah oui, d'abord, il y a une chose, c'est que ce qu'on m'a raconté ces animaux d'Américains, c'est que cet engin-là, c'était rien d'autre qu'inspiré par l'épave récupérée à Roswell. C'est quand même un truc important. C'est eux qui me l'ont dit, carrément. Pour eux, c'est naturel, d'ailleurs. Hein. Depuis 1947, et même avant, ils savent parfaitement que c'est extraterrestre. Donc, ils ont désinformé le reste de la planète. Bon, je crois que je l'avais déjà dit l'année dernière. Et puis, le second point, bon, ce livre est sorti. J'espère que les gens y feront attention, j'espère qu'il sera diffusé, j'espère qu'on en parlera un peu à droite et à gauche, de par le monde, qu'on ne prendra... Actuellement, il se trouve encore, relégué dans certaines librairies au rayon ésotérisme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un livre qui est plein d'histoires techniques, et il est relégué au rayon ésotérisme. Combien de temps faudra-t-il avant que ce putain de bouquin sorte de ce rayon sur l'étrange, le mystérieux, etc., alors que c'est de la technique et de la mécanique des fluides? Bon. Ça parle évidemment d'OVNI. Vous allez y trouver des trucs qui ne sont pas piqués des hannetons. Mais ce que je voulais dire, ce sera le mot de la fin, qui aurait dû être l'introduction. 2003, ça va être l'année où... Non, ce n'est pas seulement la prise de conscience. Il y aura peut-être une prise de conscience. Mais je pense que... Alors, les choses vont mal sur Terre, puisqu'on a été en parler des colères de la Terre. Moi, il m'aurait fallu plus d'une heure pour vous expliquer un petit peu tout ça. Si je vous balance à travers la figure que les Américains ont des bombes antimatière, qu'ils ont exploré le système solaire en secret depuis 5 ans, qu'ils ont développé des bombes qui ont des puissances absolument inimaginables, tout ça, c'est raconté dans le bouquin. C'est à peine croyable, quoi. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos hommes politiques, nos leaders, ont entre les mains des joujoux extrêmement dangereux. C'est pas la peine d'espérer qu'ils vont devenir raisonnables. Hein. Même si l'Amérique s'affirme comme un leader absolu, vous commencez à peine à entendre parler des armes électromagnétiques capables de faire ci, de faire ça. Mais ça va beaucoup plus loin que vous ne l'imaginez. Les Américains sont capables de vitrifier un centre nucléaire à 1500 mètres de profondeur avec des torches antimatière qui vont faire le trou. Hein. Bon, ça, ils ne le racontent pas. C'est ce que vous voyez apparaître à travers leurs déclarations en disant que on va utiliser des armements nucléaires de faible puissance. C'est des armes antimatière, c'est rien d'autre. Bon. Donc, face à une situation comme celle-là, on se dit qu'est-ce qu'on peut foutre? Alors, première réaction complètement idiote, on va faire pareil. Hein, on va faire qu'est-ce qu'on attend pour fabriquer un Aurora français, Cocorico, pour pouvoir enfin résister à l'hégémonie américaine? Non, c'est pas ça. Je crois qu'il faut que les terriens commencent à réagir un petit peu. Il faut que les gens qui ont un peu la tête sur les épaules se trouvent à travers la planète. Il faut qu'ils cessent de se considérer comme Irakiens, comme Français, comme Indiens, comme Papou. Il faut qu'on se considère comme des terriens, qu'on prenne conscience qu'on forme une ethnie unique, hein, et qu'on prenne le pouvoir vis-à-vis de ces choses-là. Il faut... Vous savez, moi j'ai reçu une lettre en 91, une lettre des Humites. Dès 91, elle disait il faut que des gens continuent à faire ce que vous faites, c'est-à-dire à faire connaître les choses cachées. C'est exactement ce que j'ai fait dans ce livre-là. J'espère que d'autres gens le feront. Mais il y a une chose, c'est que on s'en sortira pas si les extraterrestres ne filent pas un coup de main. Et je suis pas Raël. Hein. Je faisais beaucoup rigoler mon copain Elio tout à l'heure,
qui me disait, alors, est-ce que tu vas pas passer pour un gourou? Oui, si on veut, mais un gourou de secours, si vous voulez. Hein. Non, mais j'ai pas une tête de gourou, enfin bon sang, c'est tout, quoi. Et même si j'ai joué peut-être un rôle de pionnier là-dedans, il y a des tas de Jean-Pierre Petit, il y a des tas de gens. On va se trouver à travers la planète. Des gens vont former un groupe, vont apprendre à être indépendants de cette désinformation. On ne peut pas se payer le luxe de frayer avec les militaires, c'est pas possible, ce sont des cinglés, quoi, c'est tout. Il faut qu'on apprenne à désarmer ces arsenaux. Il faut. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas d'ennemis héréditaires. Il faut que les fanatismes religieux s'atténuent un petit peu, tout ça. Il faut sortir un petit peu de tout ça. Nous avons créé une association, loi de 1901, qui s'appelle Opération Don Quichotte. Vous la verrez sur mon site. C'est un truc qui démarre. Et je vais en dire juste un mot ou deux en passant. C'est un type sur mon site qui m'a dit, mais avec tout ce que vous faites depuis 25 ans, est-ce que vous n'êtes pas un peu Don Quichotte? Je dis, oui, bien sûr, si je suis tout seul, je suis Don Quichotte. Mais si nous sommes 5000, nous ne serons plus Don Quichotte. Vous pouvez même adhérer, si vous voulez, à l'association Don Quichotte, 66 Champs-Élysées, c'est 25 euros. Bon. Et à ce moment-là, groupons-nous, formons quelque chose. C'est pas ce qu'on va faire là-dedans. On a plein de choses à faire. Mais ce truc-là, il faut que ça prenne une envergure internationale. Il faut que ça passe, ce soit un courant. C'est pas un club d'ufologie. C'est pas pour savoir si les extraterrestres ont 6 doigts de pied ou 7. Ça, on s'en fout. C'est pour que des gens se réunissent pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver cette foutue planète? Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de prendre le contact? Pour arrêter de ce manichéisme en disant est-ce que vous êtes pro-américain ou pro-ceci, pro-cela? Et il y avait un truc fantastique. C'est qu'on a fait cette première réunion de l'association de Quichotte sur une péniche qui s'appelait le vaisseau fantôme, sur les bords de la Seine. Il y avait 150 places et 300 personnes qui sont venues. On n'a pas pu les faire tous rentrer, sinon on aurait coulé. Mais dans cette salle, il y avait des musulmans. Et ces gens-là sont venus et nous ont parlé avec beaucoup de chaleur, en disant, monsieur Petit, on a lu ce que vous avez écrit dans votre site. C'est vrai qu'on a besoin de ces gens-là. Vous représentez 1 milliard de personnes. Il ne s'agit pas de se mettre du côté des uns et du côté des autres. Il faut que les terriens se rendent compte qu'ils existent. Il faut qu'on vire nos ayatollahs. Benveniste parle souvent des ayatollahs de la science, mais il y a les ayatollahs de la physique et les ayatollahs du musulman. Tous ces gens-là, il faut qu'on dégage un peu pour qu'on commence à y voir un peu clair. Et c'est la dernière phrase de mon truc, parce que sans ça, je vais dépasser l'heure. 2003 sera l'année du dialogue avec les extraterrestres. Je vous le garantis.